السلام عليكم لي جماعه بون جيت ان شاء الله اليوم باش نكملوا ريفيزيون تاع موديول شيمي 3 شيمي 4 جيت لكم ان اكزرسيس سور لي زيكيليبر توكسيدو ريدكسيون هذا اون انسيان بروبوزيسيون تاع كونكور ناسيونال هذا ليكزرسيس فيه دو بارتي انديبوندونت نبدا نقرا لا بروميير بارتي سوا لا رياكسيون دو ديسموتاسيون دي زيون سي يو بلس دو سي يو بلس ان فاز اكوز دون سي يو دو بلس بلس سي يو ان فاز سوليد لا كيسيون كالكولي لا كونسون ديكيليبر ك دو سيت رياكسيون Pour répondre à la question, par définition, une réaction de dismutation, c'est une réaction d'oxydoréduction. Une espèce chimique joue à la fois le rôle d'un oxydant et d'un réducteur. Quand je fais de la réaction, un des Cu plus Cu plus 2 Cu plus en phase aqueuse, en équilibre avec Cu de plus en phase aqueuse plus Cu en phase solide. En fait, le cas, Cu plus joue à la fois le rôle d'un oxydant et d'un réducteur. Quand par exemple, l'espèce joue le rôle d'un oxydant, donc va accepter des électrons. Accepter les électrons pour former OX1 pour former Cu, RAD 1, ok, qui est accepter les électrons TAHADA, un donneur d'électrons, donc va former Cu. Hada, c'est un donneur d'électrons, donc c'est un réducteur, c'est mes RAD2, qui met les électrons terre, qui met un électron Hada, on forme Cu2+. Donc Hada, OX2. Donc je fais de l'espèce, Hada, c'est un oxydant, Hada, c'est un réducteur. La même réaction, donc OX plus RAD, donc OX plus RAD. Donc Hadi, c'est une réaction de dismutation, le sens 1. Donc le sens 1, c'est mes dismutation. Réaction de dismutation. Sens 2, c'est une réaction de médiamutation. Ou l'un se mourra en phosphorylation. C'est la même chose. Quand je fais la réaction, donc elle est formée par deux couples OX-RAD. Nous le couple Cu plus Cu. Ou le couple Cu2 plus Cu plus. Donc Cu plus est un ion en phosphore. Nous avons un couple comme oxydant. Nous avons un autre couple comme réducteur. Pour calculer la constante, comme d'hab, pour déterminer la constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction, toujours la constante qu'on exprime en fonction des potentiels standards. Après, on a comme les potentiels standards, les données de l'exercice. Maintenant, pour déterminer la constante de cette réaction, j'exprime la constante d'équilibre en fonction des concentrations produits sur réactifs. Un des produits, c'est le Cu de plus sur la concentration de Cu plus au carré, parce que deux ions Cu plus. Shangul AT équilibre, bien sûr, je vais les concentrations, mais je dis dans l'état de concentration à l'équilibre. J'utilise AT équilibre, le potentiel, c'est-à-dire la réaction d'oxydation, égale le potentiel, c'est-à-dire la réduction. Ah, voilà le potentiel. Et le potentiel E, c'est Cu plus Cu, ou Cu de plus Cu. Donc, il y a une réaction d'oxydation parce que Cu plus dans Cu de plus plus un électron. Alors que il y a une réduction. Cu plus plus un électron dans Cu. Donc, on a à l'équilibre le potentiel de l'oxydation égale le potentiel de la réduction. Maintenant, Cu de plus Cu plus égale le E Cu plus. Pour exprimer le potentiel, j'utilise la formule de Nernst. Formule de Nernst, c'est E0 Cu de plus Cu plus, plus 0, 0, 59, électron échangé c'est 1, log, ox sur RAD Cu de plus sur Cu plus, égale E0 Cu de plus Cu plus. Plus 0, 0, 59 sur 1 électron échangé log de Cu plus comme oxydant.
كيما دارين نديرو لي بوتونسييل ستاندار سور لا دروات سور لا غوش لي زيكسبريسيون لوغاريتميك سور لا دروات جوبتيان او 0 سو او 2 بلس سو او بلس موان او 0 سو او 2 بلس سو او بلس ايغال 0 0 59 سور 1 لوغ سو او بلس او كاري سور su de plus. On a la constante su de plus sur su plus 1 au carré. Donc, c'est 1 sur k équilibre. On va faire k équilibre directement. K équilibre égale 10 puissance 1 sur 0,059. On va faire moins maintenant ou moins maintenant. J'obtiens tous les UE. E0 su u de plus su u plus moins E0 damen su U. J'en ai déjà un erreur par là. Moins E0 su U plus. Donc t'englep tous les E0 su U plus su U. Moins E0 CU de plus CU plus égale 10 puissance 1 sur 0,059. Ça da CU plus chaladna CU plus CU 0,52 moins 0,16. J'obtiens une constante égale 10 puissance 6, donc on a c'est su u, donc on a su u plus su u, on a su u de plus su u plus, ça va être maintenant su u plus su u, ou ça va être égal à su u de plus su u plus, on a moins, j'obtiens ça, su u plus su u moins e0 su u de plus su u plus. Donc j'obtiens 10 puissance 6, réaction de 10 mutations est totale. Donc on a dit la première question.